L'autre matin, il fallait que je répare le mauvais sort de la veille. Oh, j'avais picolé du mauvais vin. Je me cale à la terrasse d'un petit troquet de province, peinard. Je me dis, soyons raisonnables, je vais boire un thé. Le serveur se pointe, il prend ma commande. Et tout d'un coup, il me dit avec un ton empoulé, avec son thé, monsieur souhaite-t-il un nuage de lait? Oh, je me suis dit, le serveur est joueur. Chouette. J'avais envie de m'amuser. J'avais envie de quitter la banalité. Alors je me suis dit, mais bien sûr que je veux un nuage de lait. Oh, mais absolument. Et quel type de nuage auriez-vous à la carte? Un cumulus? Un nimbostratus? Un cumulonimbus? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Et là, en trois enjambées, le serveur se carapate, tirant la gueule, il revient et il me pose, d'un geste brusque, un petit pichet de lait. Et là, je lui dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pour la banalité du geste, alors là, bravo. Ah, vous, là, vous êtes raccord avec l'ennui. Ah oui, parce que vous avez, par votre voix, votre inflexion, vous avez invité à la théâtralité. Vous avez en quelque sorte ouvert le rideau, et ensuite vous prenez l'étoffe et vous la jetez au caillou. Enfin, ce ne sont pas des choses qu'on fait. Vous auriez pu inventer, eh oui, monter sur une chaise, jeter au ciel une serviette et l'essorer au-dessus de mon thé. Ah. Mais non. Oh, j'ai bu mon thé, sans nuage de lait. Mais j'eusse aimé, voyez-vous, le teinté d'un peu de fantaisie.